C'est le vlog numéro 0, on va dire. C'est le vlog de test. Je sais pas ce que je vais faire, je filme juste, j'en sais rien. Voilà, c'est juste, j'avais envie de montrer un peu ce que je fais, de plein de choses. Je me dis, ça peut être sympa. Ça peut être sur une journée, ça peut être sur plein de choses. J'essaie de mettre la caméra dans le bon sens, histoire que ça filme correctement. Ouais, non, vlog test, vlog carrément test de ouf. Je vais vous accompagner un peu avec moi dans tout ce que je fais, dans plein de choses. Il y a pas mal de trucs qui vont arriver. Et je me dis, ça peut être sympa. On est mardi 9 juin, il est 19h51, je vais aller me faire un graill et je vais juste déballer un colis que j'ai reçu. Colis Ikea, parce que je viens d'emménager dans un appart et j'ai pas tous les outils à disposition enfin chez moi. Donc voilà, je vais vous montrer un peu ce que j'ai acheté, on s'en bat un peu les couilles mais on s'en fout. Vlog freestyle, on va appeler ça comme ça. Le maxi colis, ça frère, ça c'est du colis. Ça les gars, les colis comme ça, on sort pas tous les jours. Qu'est-ce qu'on a de beau là-dedans? On a des cintres parce que j'en avais pas assez. On a encore des cintres parce que j'en avais toujours pas assez. Et après, il y a plein de trucs. Ça, c'est des trucs de linge sale. Ça rend des petites babioles, quoi. Des petits trucs pour poser les brosses à dents. Vraiment des petits trucs. Vraiment cool. Je vais juste brancher l'enceinte. On va mettre un peu de musique. Je sais pas si ça va trop passer en vidéo, mais c'est pas grave. Petite enceinte que j'ai acheté, Marshall Acton 2. Voilà, ça intéresse quelqu'un. J'ai pris une autre enceinte parce que la mienne, la JBL Charge, je crois que j'avais, elle grisait un peu. Donc voilà, j'ai voulu changer. Puis il y avait une promo à la Fnac, elle était à 200 balles au lieu de 300, je crois. Désolé pour la luminosité, ça pue grave la merde. Et voilà, ça c'est pour mettre les brosses à dents. J'ai une passoire pour les pâtes, enfin, ou le riz, ou tout ce que tu veux. Il n'y a pas de galère. Des serviettes, frère, des tapis de. Des tapis, j'ai besoin. Ça c'est du carton. C'est des gants de toilette, il y a tout. Il y a vraiment de tout. Un porte-savon. Découvert. Parce que j'en ai pas. Enfin, j'en ai, mais c'est à mon daron. Voilà, tapis de bain, frère, il y a plein de trucs. Et le plus lourd de tous les trucs. Oh, putain, c'est lourd sa mère. Et ça, c'est super lourd. Et voilà, ça, c'est l'étiquette. Après, le carton, on s'en bat les couilles. Et après voilà, c'est le plus gros. Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Qu'est-ce qu'on va faire ce soir? Déjà, on est le 9 juin et les t-shirts du Beerus Shop sont encore dispo. Donc, je vais ranger tout ce bordel là. Et à 21h, j'ai une réunion d'équipe parce que j'ai créé une équipe d'e-sport sur Rainbow Six, sur PS4 pour ceux que ça intéresse. Du coup, on a une réunion d'équipe, donc je vais essayer de filmer ça aussi. On va manger, on va faire un peu le ménage, c'est un peu le bordel. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Déjà, je vais ranger ça. Je vais mettre un peu de musique et puis voilà, on va pouvoir y aller tranquillement les gars. Bref, j'ai pas forcément tout rangé, c'est un peu compliqué, j'ai plein de trucs à faire. Désolé pour la luminosité qui pue éclatement la merde. Mais le soir, mon appartement n'est pas ensoleillé entre guillemets, n'est pas éclairé. Qu'est-ce qu'on va faire là? Là, il faut que je me fasse réchauffer à bouffer, il est 20h07, il faut que je fasse la commande d'un truc personnalisé pour mon pote, d'un pote parce que c'est son anniversaire bientôt. Du coup, les délais que ça prend... Bah, c'est un petit peu long, je crois qu'il me reste des petits restes de pizza, on va faire ça vite fait, bien fait. Il m'en reste même beaucoup, pas mal de restes de pizza, on va faire réchauffer la pizza. On va épargner le fait que je fasse réchauffer ma pizza, c'est un peu inutile, c'est pas grave, je vais faire charger vite fait la batterie. Parce que bah il faut que je filme un petit peu frère, sinon le vlog il va puer sa mère, je pense que ça sera un vlog en plusieurs jours, en plusieurs fois, en plein de trucs. On va faire étape par étape, on va faire plein de trucs, ça va être un vlog condensé. Voilà, c'est un vlog intéressant, je trouve que ça va jamais sortir, ça va rester. En caméra, je ne sais pas encore. Donc voilà, je vous dis à tout de suite, les gars. Et vous, avec Lorenzo, Pierre, Delra, c'est vous qui allez faire. Alors, je sais pas comment ça se passe, les ligues. J'ai demandé à Pierre, il va devoir me dire bientôt. Là. Mais ouais, c'est vous qui allez devoir vous qualifier dans les ligues. C'est vous qui allez faire les championnats. Genre sur Twitter, je sais qu'il y a des tournois, des structures. C'est vous qui allez nous représenter. Et nous, le roster, avec moi dedans, on continuera la ranked, on continuera les G4G, les Faceit. Les maxi beige, là. Jeudi 11 juin, le cadrage est toujours aussi mauvais. Donc voilà. Ce qui va se passer, j'ai reçu quoi? On est quoi le jeudi 11? Il est 19h17, je suis rentré du taf. J'ai reçu ma paire de Nike Bayou, je vais vous montrer ça tout de suite, elle est incroyable. Petite boxer. La box est vraiment cool. C'est dommage, j'ai pas eu de... Tu sais, le Nike Bayou, normalement, sur le Teco, t'as un petit truc pour dire fait par Tom, enfin ton prénom, ton base. Du coup, je pense que je vais mettre un petit autocollant. Et je vous montre vite fait la pépite.
Franchement, elles sont totalement incroyables. Je les surkiffe. C'est pas du bleu marine, c'est du violet. Bon, il y a 2-3 trucs. Peut-être que j'aurais peut-être mis une autre couleur. De toute façon, on va voir au niveau d'ici. J'aurais peut-être dû mettre rose ou autre. Mais franchement, voilà, très content de la paire. Et la qualité est incroyable. Les matériaux sont vraiment cool. Je suis vraiment très content. Très content. Bref, le programme d'aujourd'hui, pourquoi je fais une vidéo? Parce que y a les nouvelles sauces Odomac. Les sauces Big Mac, je sais pas quoi. Tout le monde en parle, tout le monde dit c'est dégueulasse. Moi, je vais aller commander mon Odomac et regarder parce que j'ai trop envie de goûter. Je pense que je vais en prendre plusieurs même d'ailleurs. 15 points, je m'en bats la race. Là, c'est ça. Ça, on va en prendre 3. C'est 3 Mac, je crois. Voilà. Erreur, machin. Qu'est-ce qu'on va pouvoir prendre? Un petit menu. Golden, bien sûr. Ah, frère, ils ont rien. C'est un scandale. McDo, Big Mac. On va prendre de l'Icy Green, bien sûr, et qui est le meilleur Iced Tea. Un petit croc en plus. Ajouter 10 balles et on va se prendre un petit McFlurry en plus parce que ça date que j'ai pas bouffé un McFlurry. Un petit McFlurry. Marshmallow, non. C'est quoi leur coulis chelou là? Ouais, dedans. Pourquoi pas un nappage. Nappage caramel, bien sûr. Bien entendu, 13 balles. On va commander les sauces Big Mac et je vais peut-être pas prendre un McFlurry. Je vais peut-être prendre des nuggets à la place. Est-ce qu'ils ont des nuggets? Est-ce qu'ils ont des nuggets pour goûter ces putains de sauces? Ils ont pas de nuggets ou quoi? Peut-être dans le sandwich. Mais où sont les nuggets? Ah, ça dégage. Où sont les nuggets? Bon, on va prendre un double parce que voilà. Et c'est parti, on commande. Youhou! Frère, la luminosité, elle pue la merde. C'est un truc de ouf. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça soit moins chelou? Ah ouais, c'est bresson, frère, mais ça fait petit coin coconing et tout. On va s'allumer cette petite bougie parfumée à la cerise, histoire de fumer, non, de pas trop fumer la pièce avec le McDonald's. On va éviter de la mettre vers le sopalin aussi. Hop là. Donc on a les fameuses sauces Big Mac. J'ai pris 3 parce que y avait 3, c'est 3 max par commande. Je vais à conserver entre 1 degré et 4 degrés. Je vais en garder 2. Enfin, je vais mettre ça au frais direct. Je vais pas tout prendre. Hop là, on avait l'Ice Tea. Oh. Oh putain. J'espère qu'ils n'ont rien oublié. J'ai pas vérifié. On sort le bag. Secure the bag. Hit. Double. Croc. Big Mac. Tout le monde, j'ai vu sur Twitter, tout le monde disait ouais, ça a pas le goût de Big Mac, machin. On va goûter ça tout de suite. J'ai une espèce de dalle en plus. Ça, poubelle. Alors. Déjà, l'odeur, ça sent pas du tout Big Mac. Ça ressemble à ça. Voilà, ça ressemble à ça. On va goûter ça, dégustation en live. Vous verrez pas ça tous les jours, les gars. J'avoue que c'est bizarre un peu. Attends, je vais prendre une grande sauce frère avec frites. Non, ça a pas trop le goût de Big Mac, mais c'est pas mauvais. Hein. Moi j'aime bien. Ça a pas trop le même goût que la sauce Big Mac. Alors est-ce que, parce que le Big Mac, la viande est chaude et tout, est-ce que ça fait un bail, la sauce change, tu vois. Huile de colza, vinaigre, d'alcool, cornichon, sucre. Jaune d'œuf, épices, dont moutarde. Ouais, bah écoutez, ma foi, c'est pas trop dégueulasse. Moi, je vais manger ça tranquillement. Je vais vous laisser tranquille. Peut-être qu'on va se retrouver dans la journée, enfin dans la soirée pour faire d'autres choses, je sais pas encore. Il est actuellement 19h52. À 21h, moi, je vais jouer un peu à la play. Je pense pas filmer ça, c'est pas très intéressant. Juste, ouais, le Beer Shop, ça s'est terminé hier soir. On a eu 2-3 galères sur des t-shirts en lilas, en XS et S parce que à cause du Covid, il y a eu des soucis. Avec les tailles, du coup, rupture de stock. Donc, j'ai dû envoyer des mails aux autres, n'importe quoi. J'ai dû envoyer des mails aux personnes qui avaient cop leur tee en XSS en lila pour voir si vous voulez un remboursement ou changer. Donc, il y en a qui ont préféré un remboursement. D'autres attendent et d'autres de choper une autre couleur. Donc, voilà. J'attends 2-3 réponses. Le stock est commandé. Une fois par contre que j'aurai commandé tout ça, je vais filmer tout ça parce que on a acheté des étiquettes pour mettre sur les t-shirts, des étiquettes en carton pour faire un petit truc, c'est stylé. On a acheté des autocollants pour fermer, il y a de la ficelle pour tenir les étiquettes, un bloc-notes pour noter un petit truc avec marqué BioShop, c'est intéressant. J'ai acheté des feuilles de papier en soie lila, ça va être très cool pour emballer les t-shirts ou même juste les mettre au-dessus doucement, c'est quand même pas mal, je trouve que c'est un truc en plus. Et donc voilà, donc moi je vais vous laisser, je vais grailler parce que ça commence à être froid.
On se retrouve peut-être tout à l'heure ou sur une prochaine journée. Yo les Maxi BG. Alors aujourd'hui, pour reprendre le vlog, on est le 18 juin. Donc jeudi 18 juin. Je suis en train d'emballer les colis là. Donc là, tout simple. C'est tout le stock de tea que vous avez commandé, toutes les précommandes sont là. Bon, j'avoue que j'en ai emballé quelques-uns là. Il y en a, ils sont prêts et tout. Il y en a un petit peu là. Je suis en train d'emballer ça au calme. Donc je vous montre. Pour ceux qui n'ont pas cop, parce que j'ai envie de montrer un peu. Il y a le t-shirt plié, du stickers. On a du stickers. Petite étiquette vraiment très cool. On emballe ça dans du papier de soie. On referme. On a un autre petit stickers là pour fermer. Un petit bloc-notes pour écrire quelques mots. Je vais écrire merci, etc. Un petit bonbon par paquet. Là après on prend une petite pochette toute simple. Petite pochette d'envoi au KLM. On met le nom au stylo et une fois que tous les colis sont finis, on verra coller les étiquettes de chaque bon de livraison pour les trucs. Voilà, c'est vraiment très cool. Des étiquettes, j'en ai à balle. J'en ai commandé plein. Je trouve vraiment ça cool. Ça fait vraiment plus quali. Après, voilà. Il y en a plein, les gars. Les jaunes, ils sont déjà emballés. Voilà, je suis très content. Merci à tous les gens qu'on cope. C'est incroyable. C'est vraiment très, très cool. Je suis vraiment trop content. Du coup, je vais finir d'emballer ça. Et puis, bah, je vous dis bonne nuit parce que moi, après, je vais aller me pioter, les gars. Il est 23h, je fais ça depuis 20h, je suis au bout de ma vie entre guillemets, parce qu'il a fallu mettre les étiquettes, il a fallu faire les stickers, enfin bref, c'est laisse tomber, c'est du travail de fou, mais qu'est-ce que je kiffe faire ça, c'est incroyable. Tellement content que autant de personnes soutiennent le projet entre guillemets du Biro Shop, c'est vraiment trop bien. J'ai hâte de vous proposer les prochains items, on va voir ce qu'on va pouvoir faire. On est en pleine réflexion pour le drop 4 et le drop 5. Je vous expliquerai plus tard pourquoi il y a deux drops en même temps, enfin peut-être pas en même temps, mais il y a deux drops qui vont arriver. Soit en fin d'année, soit l'année prochaine, on va voir en fonction de certaines conditions, on va dire climatiques, et certaines conditions dans le monde. Donc les gars, je vous laisse ça, peut-être qu'il y aura une autre partie de quand j'irai à la poste, ou j'en sais rien, on verra ça ensemble.